En descendant des cars après 2 heures de route, les salariés d'Ingrand ont encore le sourire. Mais très vite, les premières rumeurs en provenance de la salle de réunion se propagent dans le cortège. Le dépôt de la Vienne sera bien fermé dans un délai de 18 mois minimum et un plan de sauvegarde de l'emploi va être mis en place sur les 3 sites de la coopérative. Donc ça veut dire que c'est pas qu'Ingrand. Ils nous ont baladé depuis des mois en disant c'est la logistique et surtout Ingrand. Oui, Ingrand malheureusement va être touché. On a entendu que la direction ferait 0 licenciement, essayer de recaser les gens, j'espère, mais faut pas trop rêver, quoi, je veux dire, il va y avoir de la casse. Restructuration de la logistique donc, mais aussi réduction des effectifs des services centraux du siège et cession ou arrêt des magasins structurellement déficitaires. L'ordre du jour est plutôt chargé pour ce comité central extraordinaire. Sous la pression, Loïc Pelletier, le président du directoire de la coopérative descend s'expliquer, assure qu'il n'y aura aucun licenciement, mais forcément l'accueil des salariés est plutôt réservé. Je suis d'abord content de vous rencontrer. Si. Notre projet comportera aussi 392 emplois. Alors, on l'a fait, c'est pas à 5 emplois près, mais ça veut dire clairement que tout le monde dans la logistique de COP Atlantique se verra proposer un poste. Il n'y aura pas de suppression de poste en net. Monsieur Pelletier, dites-nous quand on fait. Dites-le. Pour beaucoup de salariés, la situation actuelle est due au changement d'enseigne de Carrefour à Système U, effectué en janvier dernier. Certains pensent même que le sort d'Ingrand fut scellé à ce moment-là. Ajoutez à cela des dissensions syndicales avec une force ouvrière majoritaire prête à accompagner la direction dans ses plans de restructuration. La plus que centenaire COP Atlantique et ses 4000 salariés sont à un tournant de leur histoire. Et vous pensez que tout le monde va travailler pour Noël ? Que dalle. Ben zéro. On fera...